Bonjour mes Lucia, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Ça fait 2 fois que je recommence cette vidéo parce que j'ai eu un coup de téléphone et j'ai regardé un peu le bout de rush et je n'aime pas du coup d'eau. Du coup, je recommence et j'en ai marre de dire du coup. Faut que j'arrête. Voilà, sur ce, je reviens pour vous faire ma palle du mois de novembre. De novembre. Ouh là là, ça ne va plus chez moi. D'avril, même s'il est un peu tard et on est le 11, 11 avril. Mais je me dis, tant pis, c'est pas grave. Et je ne suis pas sûre de tout lire parce que j'ai mis un gros bébé dans ma palle ce mois-ci. Du coup, je vais vous montrer ça et je vous dis tout après. Du coup, j'ai mis la sorcière aux champignons, l'ottomain chez Glénat. Par contre, Taizin Ban, je ne vais pas dire le nom parce qu'il est juste là et c'est imprononçable pour moi. Voilà, j'aime beaucoup ce livre. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a des paillettes. Il est trop beau. Voilà, on le voit partout pour le moment. Il est dans ma palle, mais il est lu. Du coup, il sort de ma palle. Et je suis contente, ce sera déjà un livre de lu ce mois-ci. Voilà, ici on va suivre Luna, qui est une sorcière noire de champignons. En fait, tout son chemin va avoir des champignons sur elle. Je vais faire un petit truc, pas trop, pour pas trop vous spoiler par exemple. Parce que là, tantôt, j'ai un peu spoilé pour moi. Du coup, voilà, on va montrer ça. Et c'est bon. Là, c'est notre Luna. Et tout, quand elle marche, vous avez des champignons près d'elle. Elle peut aussi tuer quelqu'un en le touchant. Du coup, voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Là, il y a des champignons tout du chemin. Voilà. Et du coup, voilà. Je vous dis pas plus parce que je vous ai pas envie de vous donner déjà mon avis sur ce manga. Je vous donnerai mon avis le mois prochain, fin du mois. Voilà. C'est parti. Après, j'ai mis celui-ci qui n'est pas sûr de passer à la casserole parce que quand je vois le gros bébé que j'ai mis là et que je suis très loin, voilà, j'ai mis celui-ci. Je vous lis pas le nom, enfin le titre parce que mon anglais et moi c'est tout. C'est Addictive Poche. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que c'est un truc avec un prof et un élève. Du coup, ça me tentait bien quand je l'ai acheté. Et j'ai trop envie de lire. Le seul blême, c'est que c'est écrit petit. Et la petite phrase d'attache que quand je l'ai lue, j'ai dit oui, c'est pour moi. C'est interdit à ne pas franchir, mais si c'était à refaire, je recommencerais. Ce sera un campus, on va un prof et un élève. Pourquoi pas, ça tombe bien. J'aime bien les interdits, moi, alors voilà. Et en plus, c'est pas un gros bébé. Je sais pas combien il fait. Un 300, quand même. Non, c'est pas gros. J'ai monsieur qui me parle en même temps que. 345 pages. Du coup, il est pas gros, mais voilà. J'ai mis un autre gros bébé, mais celui-là. Si je pouvais lire celui-là avant de lire celui que je vais vous montrer maintenant, je pense que c'est ce que je ferai. J'ai mis Drive, saison 1 de Kay Brown. C'est comme ça qu'on dit, je pense. Celui aussi, c'est un gros bébé. Il vient de sortir chez Hugo, la collection New Roman plutôt. Et lui aussi, il est fameux. C'est 571 pages. Ici, on va pas trop lire l'histoire parce que je sais plus. Du coup, on va lire l'histoire parce que je ne sais plus. Dans un monde populaire, les femmes, je représente une véritable défi pour Cole. Donovan arrange ces terribles séduisants. Les gens se tenir très estre. J'ai encore ma grippe qui est là. Et du coup, je perds ma voix, vous l'entendez. Et du coup, ça me fait mal. Qu'est-ce qui est désiré dans sa vie comme sur circuler automobile, bye boy, intermipi. En fait, c'est un truc de voiture, si je comprends bien. J'ai pas envie de lire tout parce que, vous voyez, c'est quand même assez long. J'ai vraiment pas envie de me spoiler, en fait. J'aime bien me mettre dans l'histoire et
de découvrir, quoi, voilà. C'est écrit assez... ça peut aller. J'ai l'habitude de chez Hugo, alors ça va. Voilà. Le seul truc, c'est que c'est quand même un gros bébé. Voilà. Mais si... entre celui-là et celui-là, je préférais lire celui-là. Comme ça, il serait lu et je serais tranquille. Et celui-là, je le prendrai plus tard. Parce que celui-ci écrit plus petit. Et voilà. Je sais pas pourquoi, mais c'est celui qui me tente le plus là maintenant. Du coup, voilà. C'est celui-là que je choisis. Si je devrais choisir, c'était celui-là. Mais avant ça, j'ai déjà une lecture commencée. Je vous en avais parlé. Je l'avais commencé début janvier, je pense. Je l'ai arrêté parce que j'étais avec la pâle, enfin la pâle défi de Mariette. Du coup, j'avais laissé tomber, j'avais commencé. Et là, je le reprends. C'est le cendre et la cendre de Jennifer Alamantrout. Il est trop beau. J'ai pas la... Enfin, je l'ai retiré, du coup, je l'ai pas. Mais je suis quand même avancée. Je suis à 261 pages au chapitre 16. Comme je vais pas trop vous en parler parce que je pense que beaucoup de monde l'a déjà vu. C'est de la fantaisie, mais j'aime beaucoup pour le moment. Voilà, je vous montre. Hop, il est trop beau. Voilà. Je vous en parlerai plus en fin de mois. Et sur... si vous regardez mes... des mois. Mes vlogs, il sera dedans aussi. J'ai commencé. Enfin, je sais pas si je vous parlerai de l'histoire. Parce que voilà. Ici, on va suivre une jeune fille qui s'appelle... enfin, qui... Qu'on leur surnommait Pucelle. Voilà. J'ai pas le... Attendez, je vous prends la quatrième de couverture. Bougez pas, je sais qu'il est là. Comme ça, vous allez vraiment voir. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors que le rivalité grandit entre deux royaumes ennemis depuis toujours, la jeune femme dont le destin est tout tracé voit son certitude, excusez-moi, volter en éclat. Et tout, en plus tout son cœur. Zora, t'as fini? Tout son, et plus que son cœur. La pucelle, un devoir, un royaume. Du coup, voilà, ça trottait bien. Et la quatrième, elle est trop belle. Et je vous montre la quatrième. Même ça. Je l'ai retirée pour pas l'abîmer. Voilà. Jennifer Alamantrout. De chez... c'est comment encore? DSC? Oh, je ne sais plus. De Saxus. Voilà, de Saxus, il est marqué là. Voilà, et je vous montre la petite photo de Jennifer Alamantrout. Voilà, je le retire pour pas l'abîmer parce que voilà, je l'avais déjà abîmé et ça glisse sur le livre. Du coup, voilà, je préfère le prendre comme ceci. Voilà, et j'avais commencé deux livres que j'avais abandonnés au mois de décembre. L'un c'est au mois de janvier, l'autre au mois de décembre, je pense. Du coup, je vais commencer celui-ci et je terminerai l'autre plus tard. Voilà. Et j'ai mis mon marque-page Mickey, Fantasia, j'adore. Et voilà, je vais essayer de me remettre là-dedans. Première lecture du... Enfin, deuxième lecture du mois, du coup, voilà. Parce que j'ai lu... mais ça, je vous en parlerai plus tard. Dans le point commun. Enfin, point lecture. Je sais plus quoi parler. Du coup, voilà. J'espère que le point... La pâle du mois de, d'avril vous plaira. Dites-moi... si vous avez déjà lu et ce que vous avez pensé, sans spoiler si c'est possible, parce que voilà, je suis que à la page, au chapitre 16, j'ai encore tout ça à lire. J'avais mis les post-it parce que je lisais en lecture commune au début, on lisait deux chapitres par jour, mais j'ai dû abandonner parce que j'étais avec Mariette et que c'était pas possible de mélanger les deux lectures à ce moment-là, parce que je sais plus ce que je disais et j'étais un peu perdue, du coup voilà, j'ai laissé tomber ça. Du coup, voilà. Sur ce, je n'ai plus rien à vous dire. J'espère que, voilà, vous dites-moi en commentaire si un de ces lectures vous tente. Voilà, on pourrait lire ensemble. Bon, celui-là, il est en lecture. Celui-là, je l'ai lu et il me reste ces deux-là à lire. J'espère, mais je suis sûre à 100% que je ne lirai pas tout. Mais au moins que j'en lise encore un. Après celui-ci, je serai contente. Voilà. Maintenant,
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo, dans un prochain vlog. Où, voilà, parce que là, je suis en train de perdre ma voix. Ça fait 3 vidéos que je fais aujourd'hui. J'ai plus de voix. Du coup, on va aller reposer cette voix. Je vous fais des gros bisous.